Alors dans cette vidéo, on va faire ces activités, relever le sujet des verbes en vers, encadrer le sujet en utilisant c'est qui, ce sont qui, compléter les phrases avec le sujet proposé et compléter ces phrases en choisissant le sujet qui convient. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Jacobinic TV. Bonjour mes chers élèves de 4e année primaire, CM1, je vous présente votre cahier préféré. Mon cahier de grammaire et de communication. C'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Je m'entraîne à l'oral, relève le sujet du verbe en vers. D'abord, on va lire les phrases. Mamie est venue me rendre visite. En silence, les randonneurs gravissaient la montagne. Mehdi a posté une carte pour ses grands-parents. La nuit, tous les chats sont gris. Papa et moi allons souvent courir. Relève le sujet du verbe en vers. C'est un exercice alors. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez tout simplement relever le sujet du verbe. Oralement, par exemple, mamie est venue me rendre visite. Mamie. En silence, les randonneurs gravissaient la montagne. Les randonneurs. C'est la même chose pour Mehdi a posté une carte pour ses grands-parents. La nuit, tous les chats sont gris et papa et moi allons souvent courir. La suite de la correction, c'est Mehdi, tous les chats, papa et moi. Alors, mamie, les randonneurs, Mehdi, tous les chats, papa et moi, ce sont des sujets de verbe. Est venu, gravissé, aposté, son et allant. Alors, ici, pardon, on cadre le sujet en utilisant c'est qui ou ce sont qui. Alors, j'encadre. Je profite pour l'oral. Par exemple, Mouna va à l'école. C'est Mouna qui va à l'école. Je lis d'abord. La pelouse est tondue chaque semaine. Hassan II, araignée durant 38 ans. Bakar et Hafsa, son frère et sœur, nous avons gagné le match. Alors, on dit la pelouse, c'est le sujet. Hassan 2, c'est le sujet. Bakar et Hafsa aussi. Et nous aussi. Alors, vous voyez, alors le pronom, le sujet peut être un groupe nominal ou un pronom. Alors, c'est la pelouse qui est tendue chaque semaine. C'est la pelouse. C'est Hassan 2 qui a régné durant 38 ans. C'est Hassan 2. Ce sont Bakar et Hafsa qui sont frères et sœurs. Ce sont nous qui avons gagné le match. C'est la pelouse qui est tondue chaque semaine. C'est Hassan II qui a régné durant 38 ans. C'est Bakar et Hafsa qui sont frères et sœurs. Ce sont nous qui avons gagné le match. Alors pour le 9e exercice. Regardons s'il vous plaît ici. Complète les phrases avec le sujet proposé. Karim, nous, les éléphants et je. Toujours avec je m'entraîne à l'oral. C'est un exercice vraiment formidable pour l'oral. Vive dans la savane, me lève toujours à 8 heures, attraper la grippe, ne pourrons pas venir à ton anniversaire. Alors pour le mot vive dans la savane, alors on choisit les éléphants. Voilà. Les éléphants vivent. Voilà, les éléphants vivent dans la savane. Me lève toujours à 8 heures, on dit je me lève. Ici, je me lève. Alors, je me lève.
Je me lève toujours à 8 heures. À attraper la grippe, à attraper la grippe. On dit Karim. Karim a attrapé la grippe. Et finalement, on dit nous ne pourrons pas venir à ton anniversaire. Alors, ce sont les éléphants qui vivent dans la savane. C'est moi qui me lève toujours à 8 heures. C'est Karim qui a attrapé la grippe. Ce sont nous qui ne pourrons pas venir à ton anniversaire. Ce sont les éléphants qui vivent dans la savane. C'est moi qui me lève toujours à 8 heures. C'est Karim qui a attrapé la grippe. Ce sont nous qui ne pourrons pas venir à ton anniversaire. Alors, dernière activité pour cette vidéo, pour vous entraîner à l'oral, complétez ces phrases en choisissant le sujet qui convient. A perdu sucre, est-ce que c'est Jamine? Est-ce que c'est il ou c'est Ali ou Keto? Alors, choisis Jamil. Jamine a perdu sucre. Elles chanteront l'hymne national. Alors, chanteront avec orienté. Alors, je sais déjà, c'est pas elle, c'est pas nous, c'est il. Ils chanteront l'hymne national, c'est pluriel. Et vide. C'est pas je, c'est pas ce chanteur, mais le panier. Le panier est vide. Voilà. Alors c'est facile. Alors aimerais partir en voyage. C'est pas la villa, c'est G apostrophe. J'aimerais partir en voyage. Alors Jamil a perdu ses clés. Ils chanteront l'hymne national. Le panier est vide. Et j'aimerais partir en voyage. Alors c'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo est vraiment très intéressante pour la plupart des élèves de CM1 et d'autres élèves aussi. Alors rendez-vous donc pour d'autres vidéos de mon cahier de grammaire et de communication et l'entraînement à l'oral.